Cette vidéo est dédiée à la procédure de dimensionnement d'une installation photovoltaïque en site isolé. Elle suppose cinq étapes. La première, c'est le calcul de l'énergie consommée par jour, une évaluation, une estimation de ce qu'on consomme, c'est des besoins énergétiques de l'habitat ou de la charge. Généralement. Étape 2, calcul de l'énergie à produire en prenant en compte le rendement de la chaîne de conversion. Étape 3, calcul de la puissance crête des panneaux à installer. Étape 4, dimensionnement de la batterie, du régulateur, de l'onduleur et des câbles. Pour finir avec l'étape 5, qui est l'étape de la vérification des dimensionnements obtenus avec un des outils existants, les gratuits PVGIS, on peut ou autres qui sont en payant, type Homer Energy ou PVSYST. Commençons par la première étape. Il s'agit de l'estimation de l'énergie consommée par jour. Différentes méthodes. La première, c'est la lecture de la facture si on dispose d'une. Par exemple, dans ce cas, on a une facture allant de septembre 2019 à novembre 2019. On voit une consommation de 238 kWh. Sur cette période, on obtient une consommation journalière d'environ 4 kWh. On peut aussi utiliser le relevé informatique Linky. En effet, avec le compteur Linky, vous pouvez connaître votre courbe de charge avec un pas de temps de 30 minutes, idéal pour connaître aussi ses habitudes de consommation. Une autre méthode, c'est l'estimation par le calcul de la consommation. Nous pouvons connaître la consommation journalière en estimant la valeur de l'énergie totale consommée par tous les récepteurs électriques de l'installation. E en watts par jour, c'est égal à la puissance fois le temps d'utilisation en heure. On précise que la dénomination par jour signifie à chaque fois par tranche de 24 heures. Exemple, soit un cabanon disposant d'un petit réfrigérateur consommant 23 watts à l'heure et d'une lampe LED de 5 watts fonctionnant 5 heures par jour, quelle est la consommation journalière du cabanon? Alors, elle sera égale à la puissance de la LED fois le temps d'utilisation de la LED plus la consommation par heure du frigo fois le temps d'utilisation du frigo. Sachant qu'un réfrigérateur ne va pas fonctionner en continu. Il ne faut donc pas prendre la puissance indiquée sur l'article, puis la multiplier par 24 heures. On peut utiliser un wattmètre pour mesurer sa consommation si besoin. Alors, on va trouver une énergie de 5 watts pour la LED fois 5 heures par jour, plus 23 watts par heure fois 24, ce qui fait on a 577 watts par jour. Si on ne connaît pas le temps de fonctionnement de l'appareil, alors on peut utiliser les étiquettes de chaque appareil données par le constructeur. C'est des kilowattheures par an. L'ADEME met aussi à disposition des estimations de consommation. Par exemple, un téléviseur, il consomme entre 55 kWh par an et 145 kWh par an. Ça va dépendre de la marque et de la taille du téléviseur. Passons maintenant à l'étape 2, qui est le calcul de l'énergie à produire, tout en prenant en compte les pertes, c'est-à-dire le rendement de la chaîne de conversion.
On considère que l'énergie à produire dépend de la charge EC, énergie journalière consommée, et d'un coefficient correcteur K pour prendre en compte les pertes. Ainsi, EP égale EC, l'énergie consommée, sur K, qui est ce coefficient correcteur. L'énergie produite EP est toujours supérieure à l'énergie consommée EC pour prendre en compte les pertes et les incertitudes. Le coefficient K prend en compte l'incertitude météorologique, l'inclinaison non corrigée des modules suivant la saison, le point de fonctionnement des modules rarement optimal et peut-être aggravé par le vieillissement et la poussière des modules, le rendement des cycles de charge et de décharge de la batterie, le rendement de l'onduleur et du régulateur de charge, les pertes dans les câbles et les connexions. Pour une installation photovoltaïque avec stockage, nous avons un K entre 0,6 et 0,8. Il se calcule de la manière suivante. K, c'est un coefficient qui prend en compte l'inclinaison, fois le rendement de l'onduleur, fois le rendement de la batterie, fois le rendement du régulateur, fois un coefficient correcteur de la température, qui prend en compte la variation de la température par rapport à la température standard de 25 degrés, et fois un rendement des câbles s'ils sont correctement normalisés. Les rendements de l'onduleur, des régulateurs et des batteries sont donnés ici. Par exemple, une batterie de lithium elle a un rendement de 90%. Une batterie au plomb est supposée avoir un rendement de 70%. Passons maintenant à l'étape 3, calcul de la puissance crête des panneaux à installer. La puissance crête à installer dépend de EP, l'énergie à produire, et du nombre d'heures d'ensoleillement NE. PC, puissance crête, égale EP sur NE. NE correspond au rapport entre l'irradiation solaire IR en watts par mètre carré et l'irradiance en watts par mètre carré. L'irradiance sera considérée dans les conditions standards, soit 1000 watts par mètre carré, car les panneaux photovoltaïques sont caractérisés dans ces mêmes conditions en watts crête. On obtient ainsi NE égale IR en watts par mètre carré divisé par 1000. Donc j'ai le nombre d'heures d'ensoleillement qui sera en heures. Et donc je déduis ma puissance crête qui est égale à l'énergie à produire qui est en watts divisé par IR fois 1000. Par exemple, une irradiation solaire égale à 1,67 kWh par mètre carré par jour est assimilée à 1,67 heures d'un ensoleillement de 1000 watts par mètre carré. Et comme le panneau débite sa puissance crête à cet ensoleillement de 1000 watts par mètre carré, il le fera pendant l'équivalent de NE heures. Pour déterminer les radiations solaires IR d'un lieu donné, nous nous baserons sur les données de Solargis, un site web qui propose à l'aide des cartes les radiations de plus de 180 pays. Ici un exemple d'une installation à Marseille, par exemple. Concernant le nombre des modules à installer, ce nombre dépend de la puissance crête installée qu'on a calculée auparavant et de la puissance crête unitaire du modèle de panneau choisi en watts crête. Ainsi, nous aurons le nombre c'est PC divisé par la puissance crête d'une unité. Rappelons que deux modules photovoltaïques identiques en série permettent de multiplier la tension par deux. Et deux modules photovoltaïques identiques en parallèle
permettre de multiplier par 2 le courant, ce qui va nous permettre après de choisir comment on va positionner nos panneaux, le nombre de panneaux en série et le nombre de panneaux en parallèle. L'étape 4, c'est le dimensionnement du régulateur, de la batterie, de l'onduleur et des câbles. Commençons par le dimensionnement de la batterie. Alors, comment on calcule sa capacité? Le calcul de la capacité C en ampères-heure du parc batterie dépend de plusieurs données. D'abord, le nombre de jours d'autonomie, 1 an, souvent 3 à 10 jours. EC, l'énergie totale consommée en watts-heure par jour, qu'on a déjà déterminée. D, la profondeur de décharge maximale admissible de la batterie, ça va dépendre du type de batterie. Par exemple, pour le lithium, c'est 80%, pour le plomb, c'est 70%. U, la tension en volts sous laquelle est installé le parc des batteries, 12, 24, 36, 48 volts, etc. Souvent, pour l'habitat, on choisit 48 volts pour ne pas dépasser le seuil de sécurité qui est de 50 volts en continu. Ainsi, nous aurons comme formule la capacité de la batterie égale le nombre de jours d'autonomie fois EC, qui est l'énergie totale consommée en watts-heure par jour, sur la profondeur de décharge D fois la tension U. On peut ajouter aussi un coefficient de température qui prend en compte en fait la variation de la température par rapport à la température standard de 25 degrés. Le nombre de batteries en série, c'est égal à la tension du système divisé par la tension de la batterie. Le nombre de batteries en parallèle, lui, par contre, il est égal à la capacité totale trouvée divisée par la capacité d'une batterie. Et le nombre total de batteries, c'est le nombre en série fois le nombre en parallèle. Concernant le dimensionnement du régulateur maintenant, les critères à respecter sont la tension de sortie du régulateur de charge, elle doit être au point de fonctionnement maximal, elle doit être égale à Vbat. Sa puissance de sortie, elle doit être supérieure à la puissance de l'installation pour ne pas dégrader la production. Et on a le courant de court-circuit maximal de l'installation, il doit être inférieur au courant maximal du panneau en MPPT et du régulateur de charge en MPPT et la tension en circuit ouvert max de l'installation, elle doit être inférieure à la tension maximale en MPPT. Ainsi, on peut déduire le nombre maximal de modules photovoltaïques en série en parallèle. C'est le nombre en parallèle, c'est I max MPPT sur I short circuit, c'est-à-dire en court-circuit d'un panneau, et le nombre en série, c'est V max MPPT sur la tension en circuit ouvert ou open circuit VOC pour un module aussi. Pour l'onduleur, il faut que la puissance de sortie soit supérieure à la puissance consommée. On cherchera donc la puissance maximale de l'habitation quand tous les objets consomment. La tension du système doit être comprise dans la plage de tension d'entrée de l'onduleur. Maintenant, passons au dimensionnement des câbles. Pourquoi bien dimensionner les câbles? Pour d'abord éviter une chute de tension trop importante. Et aussi, parce que la chute de tension maximale autorisée dans la partie courant continue de l'installation est de 3% au maximum d'après l'UTE, la norme UTE C15-712-1. Aussi, il faut limiter les pertes par effet Joule. Ici, on vous donne en fait, par rapport à l'intensité max en ampères, la section recommandée par la norme. Donc, on voit bien ici, par exemple, pour 6 mm² pour un courant maximal de 39 ampères. Et on a tous les types de sections possibles.
Comment on les dimensionne? Ben, on va calculer la section en se basant sur la formule suivante. S égale ρ, qui est la résistivité du câble en ohm-mètre, fois L, la longueur du câble en mètre, fois 1,25, pour surdimensionner un peu, fois Imax, qui est le courant maximal que traverse le câble en ampères, sur epsilon ou delta V, la chute de tension en pourcent, fois V, qui est la tension maximale au départ du câble en volts. La résistivité à 25 degrés du cuivre et du aluminium, ils sont donnés ici. Pour le cuivre, c'est 17 fois 10 puissance moins 9 en mètres. Et pour l'aluminium, c'est 28 fois 10 puissance moins 9 en mètres. Donc le meilleur conducteur, vous savez bien, c'est le cuivre. Et ici, on a en fait vraiment un résumé de calcul du courant maximal dans une branche PV et à la sortie du champ PV. Donc dans une branche, c'est N-1 fois 1,5 fois le courant de court-circuit dans les conditions standards. Et à la sortie du champ, ben, c'est N fois 1,25 fois le courant de court-circuit dans les conditions standards. Sinon, ben, 1,25 fois le courant maximal. N, c'est quoi? C'est représente le nombre de branches en parallèle. N, c'est le nombre de branches en parallèle. Enfin, ça vient à l'étape 5. On a fini maintenant notre mode de calcul. Je rappelle donc étape 1, estimation de la consommation journalière. Étape 2, évaluation de l'énergie à produire en prenant en compte le coefficient K qui représente les incertitudes et les pertes. Étape 3, c'est le calcul de la puissance créée des panneaux photovoltaïques et de leur nombre. Étape 4, c'est le dimensionnement des autres composants, batterie et BOS, Balance of System, onduleur, régulateur de charge, câble. Et maintenant, on a un calcul qui a été fait d'une manière empirique. Donc, on a calculé ce qu'on appelle la méthode Ampère. Maintenant, on va la vérifier avec des outils de simulation. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser des outils gratuits tels que PVGIS. On a déjà fait une vidéo sur l'utilisation de PVGIS en utilisant par exemple le simulateur solaire de Solaris Store. Sinon, on peut aussi utiliser Homer Energy Pro dans sa version d'essai qui dure 21 jours.